Eh bien, salut à tous les amis, c'est PokéNico69 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va ouvrir des boosters Pokémon cette fois-ci, c'est bon. Ça y est, j'ai enfin pu pas m'acheter, mais j'étais en stage il y a pas longtemps, c'est pour ça que je faisais plus trop de vidéos. Et j'étais dans une presse et il y avait des boosters Pokémon. Et pour me rémunérer un peu mon salaire, j'ai demandé des boosters Pokémon et j'en ai eu 8. Voilà, 8. J'en vais en ouvrir 4. Aujourd'hui, je vais un peu vous ouvrir les 4 illustrations, je pense que vous devez les connaître. Il y a le Mega Latios, le Mega Gallam, le Mega Rayquaza et pas Primo Rayquaza, et le Deoxys. Alors, le Deoxys, je me rappelle plus s'il a une forme, donc voilà le dos d'un booster Pokémon. J'essaye de vous le rapprocher le plus. Est-ce que vous arrivez à lire ? Je ne pense pas. Avec attraper les tous ici, le site est un peu le récapitulatif de tout ce qu'il y a. Après, il y a 2015. Il fait très très chaud. C'est sûr, mais je vais quand même vous les ouvrir. Je vais faire une vidéo pour vous. Je vais vous les ouvrir. J'ai un nouveau fond d'écran. Enfin, fond d'écran, non. Je me suis servi d'un bouquin qui se carte avec. Parce que je trouvais ça un peu sympa de le mettre en fond d'écran. Enfin, le mettre en fond pour ouvrir les boosters. Et donc, du coup, on va les ouvrir. La dernière fois, j'avais essayé de vous faire une vidéo. Désolé, hein, si je mets ma main. Je pense que vous l'avez vu, parce que j'ai un tas de boosters XY Primo Shock. J'ai un tas de boosters. Et j'avais eu pour la première fois. J'étais vraiment content. Je me suis dit, mince, désolé, j'ai pas pu faire des vidéos sur ça. Je suis vraiment désolé, mais j'ai eu le Mega Gallam X, Mega Gardevoir X, et ça m'a fait tellement plaisir de l'avoir que, au final, j'étais super, super, super content. Alors, je vais vous parler un peu donc, de celle enregistrant, une série donc, XY6 qui est un peu valable que noir et blanc, Dragon Exalté. Je pense que vous l'aurez, je pense, déjà compris. On va utiliser les ciseaux, on va commencer par un Deoxys. Allez, go! On va voir ce que nous réserve ce booster. Hop! Allez! Pas de spoil. Oh mince! Désolé. Ah bah le fail, hein! Le fail quand j'ouvre des boosters, hein, c'est ça, hein, évidemment. C'est bien ça. Et heureusement... je vous ai pas montré un peu la carte, donc voilà le code. Pas d'amélioration du code, malheureusement. 1, 2, 3, 1, 2. Allez. On va ouvrir ces magnifiques boosters. Alors on a, j'espère que vous y voyez bien, Natu. Togepi. Passerouf, les illustrations sont vraiment belles pour l'instant. Neuneuf. Nirondelle. Désolé si je tremble. Noix de coco, mais il est magnifique. Il est magnifique. Foulard aspirant, oh ça fait un peu féerique. Dracos, bah voilà, hein. comme d'habitude les Pokémon de type dragon. Un Solordo en commune reverse et... Oh bah tiens, Jirachi en holographique. Oh là là, à ce qui paraît c'est une holographique qui est super belle. On commence vraiment bien. On commence vraiment super bien. Je suis content. Même si j'ai pas deck, je suis content. De toute façon, je vais ouvrir seuls les 4 boosters que je vous ai fait voir. On ouvrira les 4 autres dans une autre vidéo, puisque malheureusement, je peux pas faire beaucoup plus. On va ouvrir le Mega Gallam. Alors, je sais pas du tout lequel est chanceux ou pas. Donc, lequel où il y a des holos ou lequel booster on peut avoir des ex. Je ne sais pas. De toute façon... On va bien voir. J'ai eu aucun mal. Pour l'instant, franchement, j'ai aucun mal à les ouvrir, les boosters. Là, c'est un peu easy, quoi, à les ouvrir. C'est un peu easy, et là, je suis vraiment content de vous ouvrir des boosters comme ça. Je suis vraiment content. Et j'espère que ça va continuer. Dynavolt. Drabi. Mingyal. Pouachigeon, j'espère pas vous spoil, si j'essaye de pas vous spoil. Un Solodon, Échange, Ninjask, Zone Aérienne, Papinox en peu commune reverse, ça, bon, bah ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ça fait plaisir de le voir. Et Branette,
un joli petit Branette en très antique. Voilà. Bah, un peu pas mal, c'est un peu pas mal. Hein. Je découvre un peu parce que je me suis pas spoil, bien évidemment, sur les boosters. Quelques fois en regardant quelques petites vidéos, je me suis un peu spoil des fois en regardant des vidéos, mais je me suis sinon pas spoil beaucoup. Le Mega Latios qui est vraiment. Allez, oui! Oh bah punaise! J'ai de la facilité pour ouvrir ces boosters. Je reprendrai aussi du Minecraft, hein, bien évidemment. Je ferai aussi du Minecraft, et oui. Polichombre, Miraco, Blindalis, oh il est rose, Brutalibré, Goélise, Rapace de Pique, Méga Turbo, Alizé, magnifique, oh un magnifique Eledel, en rare reverse, il est magnifique, et... oh non, vous êtes sérieux, un Latios X en full art, oh il est magnifique. Oh, il est magnifique. Oh, bah, punaise. Bon, bah, voilà. Latios sexe, après Girafi, bah, ça, c'est une ouverture. Une ouverture, franchement, une belle ouverture. C'est une ouverture qui mérite... bah, je sais pas. Bah, rien du tout, ça mérite rien du tout. Mais c'est une ouverture, quand même, qui mérite de voir, parce que, entre le super beau Girafi holographique constable, et là, le Latios sexe, vraiment magnifique, je pense que ça doit être la plus belle ex. J'allais ouvrir un Deoxys, mais on va ouvrir Primo. Qu'est-ce que je raconte? Mega Rayquaza cette fois-ci. Il ne faut pas confondre entre Primo et Rayquaza, non. Alors, j'ai entendu parler que ce sera après. Donc, je vous le redirai après. Ce sera pas pour vous spoil, hein, malheureusement. Faudra pas que je vous spoil. Bon. Celui-là, j'étais obligé de l'ouvrir comme ça. Le code encore qui ne change pas. Vous avez vu, je pense, le 9. 1, 2, 3, 1, 2. On peut pas avoir des ex à tous les coups, hein, je pense. Hein, parce que là, ce serait vraiment un peu magnifique d'en avoir une. 9. Brutalibré. Oh, un Pikachu, magnifique. Natu. Piafabec. J'espère que vous voyez. Tropius. Colombo. Le rappel. Tilton, ils l'ont refait, il est beau, en Common Reverse, et Victini, ben on termine quand même par un petit légendaire, c'était vraiment très très beau, donc n'hésitez pas bien évidemment à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, j'ai pas terminé maintenant, mais ça je le garde donc pour la prochaine fois, ces 4 là, je le garde pour la prochaine vidéo, bien évidemment j'ai pas de Mega Gala, mais j'ai 2 Deoxys, j'ai un Mega Rayquaza, qui est juste là, et enfin un méga Latios, comme je vous le rappelle, un petit récapitulatif ou pas, parce que je sais pas, hein. Tout ce que j'ai eu, alors je vais pas vous faire les communes, hein, parce que, voilà, j'ai eu un Girafi magnifique en holographique, alors celui-là, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup, et ensuite, ben, j'ai eu un Latios X, mais il est magnifique, franchement, il tombe là où il faut bien tomber, hein, parce que, c'était pas français ce que je viens de dire, désolé. Et là, il tombe vraiment à pic celui-là, parce que franchement, il est magnifique. Avec ses couleurs rose-bleu, rosé un peu en haut et bleu tout autour de lui plutôt, c'est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique. Bon, c'est pas la méga, mais c'est déjà ça. Alors aussi, pour vous dire, attention aux spoils, donc si vous n'avez pas envie de vos spoils, si vous n'avez pas que je spoil, si vous voulez que je ne spoil pas, alors vous pouvez couper la vidéo ici, mais si vous voulez du spoil, vous pouvez rester en fait. C'est au sujet de la nouvelle saison qui arrive de Pokémon XY7. Je vais vous informer un peu que le nom de la nouvelle série, elle a été donnée. Et donc la prochaine série XY7 sera donc Origines anciennes. Donc avec les boosters, je peux vous les dire, il y aura un méga Tyranocif qui va faire son apparition. Il y aura aussi méga Rayquaza Shiny sur l'illustration. Alors celle-là, je la voudrais absolument. Il y aura aussi le Primo, il y aura un Primo Groudon, il me semble Shiny aussi.